Hello les propriétaires qui se bougent, c'est Pierre du site Eldorado Immobilier. Au fil du temps, j'ai aidé plus de 5000 propriétaires de locations saisonnières. Hello les propriétaires qui se bougent, c'est Pierre du site Eldorado Immobilier. Je suis super heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un webinaire complet sur une notion qui s'appelle le storytelling. En fait, c'est l'art de raconter des histoires pour mieux vendre et c'est ultra important pour la location saisonnière pour pouvoir tourner votre annonce de telle manière que elles attirent l'attention des gens et qu'elles convertissent les lectures et les vues en espèces sonnantes et trébuchantes à travers des réservations et des recommandations. Alors, qui je suis pour vous expliquer tout ça? Donc, je suis multipropriétaire. Moi-même, j'ai des appartements que je loue en saisonnier tout le long de la vallée du Rhône. Et puis, au fil du temps, j'ai aidé plusieurs milliers de propriétaires, soit à se former complètement dès le début sur l'investissement immobilier, sur la location saisonnière. Et puis, j'accompagne également plusieurs dizaines de conciergeries qui elles-mêmes travaillent pour compte d'autres propriétaires à louer des propriétés. Donc aujourd'hui, on va rentrer dans le vif du sujet. Vraiment, c'est un cours très très important sur comment louer plus. Vous allez voir, c'est une notion assez facile à intégrer. Encore faut-il connaître tous les codes et les appliquer. Et je vous explique tout pas à pas dans cette présentation. Alors c'est quoi ce truc exactement, le storytelling? C'est en fait, l'art de raconter des histoires. Alors, on n'est plus des enfants, mais je pense que si vous fermez les yeux et que vous essayez de vous remémorer vos meilleurs souvenirs d'enfance, je pense que très certainement, parmi vos meilleurs souvenirs, il y aura des histoires que quelqu'un vous a racontées, soit au coin du feu, etc. Et pourquoi? Parce qu'une histoire, ça nous parle à tous. Ça nous fait imaginer dans un univers un peu rêvé et un peu parallèle. Et donc, du coup, on crée un attachement et on se souvient beaucoup plus des choses quand elles sont racontées à travers d'une histoire. C'est la même chose que le processus de gamification où on se rend compte que dans l'enseignement Montessori, par exemple, les enfants apprennent beaucoup mieux en jouant qu'avec des cours magistraux. Là, c'est un peu le même principe. Vous êtes là pour que les gens ils impriment complètement votre annonce et qu'ils aient envie de réserver chez vous, qu'ils vous fassent complètement confiance et du coup qui réserve votre annonce. Donc où est-ce que vous pouvez mettre ça? Il y a deux parties vraiment essentielles. Il y a le texte de votre annonce, votre descriptif en tant que tel, et puis probablement la page la plus importante, c'est la page à propos de moi. Alors soit sur votre site internet si vous louez en direct, ce que je vous conseille fortement, soit sur votre annonce Airbnb, Booking, etc. Il y a toujours une partie où vous décrivez vous en tant que propriétaire et l'histoire de votre location, et c'est là où vous pouvez vraiment faire une énorme différence. Alors au programme, je vais vous expliquer comment ça marche, le storytelling, avec plein d'exemples concrets, j'espère le plus dynamique possible. Je vais vous donner des astuces issues d'années d'expérience. J'ai fait énormément d'annonces que j'ai créées, des tests AB, c'est-à-dire que je prends une annonce, je change un élément, je vois ce qui fonctionne le mieux et je progresse comme ça petit à petit, ce qui fait que au bout de quelques mois, je suis capable d'avoir des annonces qui cartonnent beaucoup plus que celles de mes concurrents et ils sont complètement incapables de comprendre pourquoi, parce que c'est le fruit de multiples tests, hein. Il y a quelquefois des mots qui marchent mieux que d'autres, des tournures de phrases qui marchent mieux que d'autres, des ordres qui marchent mieux que d'autres, et ça, on ne peut pas l'inventer. On a tous des idées préconçues. Et notre idée à nous, en tant que propriétaire, c'est pas forcément comme ça que le locataire le perçoit. Donc c'est important de faire des tests et de pas partir avec des idées préconçues. Donc je vais vous donner tout plein d'astuces. Je vais vous expliquer comment on passe au niveau supérieur, parce que c'est bien gentil de raconter des histoires, mais on peut s'en servir pour louer en direct. Et je vais vous expliquer très concrètement comment faire. Et enfin, je vous prendrai l'exemple de la page à propos de moi et je vous donnerai étape par étape comment la rédiger complètement. Donc c'est parti. Les gens avec les histoires, ils s'en souviennent pour toujours. Comment est-ce que vous pouvez raconter une histoire? Vous avez probablement séché quand je vais vous demander ça. Racontez-moi l'histoire de votre propriété, racontez-moi votre histoire à vous. Peut-être que vous imaginez qu'il n'y a rien de bien intéressant. On va voir que tout le monde a quelque chose à raconter, et tout le monde a quelque chose d'intéressant à raconter pour les locataires potentiels et pour les voyageurs. Donc déjà, première question à se poser, comment avez-vous commencé la location saisonnière? Donc ça, c'est toujours une histoire à part entière. Moi, je sais que il ne se passe pas une semaine
sans qu'il y ait un lecteur de Eldorado Immobilier qui fasse référence à mon histoire personnelle. Comment est-ce que j'ai débuté dans l'immobilier? J'étais pas du tout prédestiné à ça. Je suis un ingénieur qui sortit d'une grande école renommée. Donc j'ai une carrière qui a progressé très rapidement. Je me suis jamais vraiment posé des questions d'argent. Et puis un jour, je me suis rendu compte que les impôts, ça a été mon premier poste de dépense. Pourtant, mon crédit immobilier pour ma maison personnelle était vraiment conséquent. Et donc du coup, on s'est dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Donc on a fait comme tout le monde, on s'est intéressé à la défiscalisation classique, loi Pinel, loi Malraux, etc. En faisant les calculs, parce qu'on est quand même un peu matheux sur les bords, en faisant les calculs, on s'est rendu compte que c'était pas très intéressant, pour pas dire que c'était une arnaque. Et puis, de fil en aiguille, j'ai découvert la location meublée et puis la location saisonnière, où là, on a une rentabilité qui est vraiment exceptionnelle et c'est vraiment un monde extrêmement passionnant où on s'épanouit tous les jours. Donc, vous voyez, une histoire, somme toute, assez classique, ça peut devenir quand même assez intéressant et inspirant pour les gens. Ce qui est aussi très efficace, c'est d'imprimer avec des images mentales. Alors, je vous ai mis une petite image sur la vidéo. Pas forcément l'image parfaite, mais elle illustre bien quand même les choses. Imaginez-vous vous reposant dans un hamac au bord du désert, puisque ma propriété est en bordure du désert, on voit la petite colline derrière, et puis il y a un joueur de banjo qui est à côté de vous, un joueur de saxo qui vous joue un petit saxo pendant que vous regardez le coucher du soleil en dégustant une margarita confortablement allongée dans un hamac. Ça donne envie quand même, tourner comme ça. Et c'est tout à fait ça, raconter une histoire. Donc vous voyez qu'il y a une différence complète entre mettre dans un descriptif, je dispose d'un hamac et puis le nécessaire pour faire des cocktails, encore si vous pensez à le marquer, et le mettre sous format d'émotion, sous format descriptif pour faire jouer les cinq sens. Ça, c'est vraiment ce qui fait la différence. Et pourquoi les cinq sens? Parce que il y a certaines personnes qui sont plus tactiles, d'autres plus visuelles, d'autres plus auditives. Et donc du coup, en faisant jouer les cinq sens dans votre descriptif, vous allez toucher tout le monde. Et en fait, je vais aller même encore plus loin. Et ça, il n'y a personne qui le fait. C'est que il y a des gens qui ont une intelligence émotionnelle et d'autres qui ont une intelligence mathématique. Donc du coup, je vous conseille de rajouter des chiffres dans vos descriptifs pour toucher aussi les gens qui ont une intelligence mathématique également. Donc, ça peut être des chiffres, des stats en plus assez intéressantes en disant vous pouvez vous positionner dans le hamac devant 1500 hectares de désert complètement à vous. Voilà, enfin, vous voyez des chiffres vraiment précis. Et ça m'amène à vous dire aussi que les détails sont extrêmement importants pour souvenir des choses. Il y a un exemple que je cite toujours en conférence et qui fait toujours un petit peu rigoler les gens, et les gens s'en souviennent et souviennent du message que je veux faire passer. C'est quand j'explique que je ne prends pas d'acompte pour, enfin même pas de caution en fait, pour les locataires que j'héberge dans mes locations saisonnières. Voilà, il y a beaucoup de gens qui me regardent avec des gros yeux comme ça. Et en fait, c'est issu de l'expérience tout bêtement. C'est-à-dire que quand vous prenez une caution, chacun fait ce qu'il veut évidemment, mais moi ma position c'est que quand vous prenez une caution, en fait, vous allez emmerder 100% des gens pour un millième des gens qui vont casser quelque chose chez vous. Sur ces un millième, il y en a 90% qui vont soit vous le dire, soit ce sera une dégradation mineure. Et puis pour ceux qui feront une dégradation majeure, ils feront tout pour vous le masquer de toute façon. Et donc moi, ça m'est arrivé, c'est ça qui m'a fait changer d'avis. C'est que je prenais toujours une caution, j'étais sérieux, etc. Mathématicien, caution, vous arrivez, pas de clé, pas de caution, pas de caution, pas de clé, on n'en parle plus. Et puis jusqu'au jour où je suis tombé sur ces locataires qui avaient l'air très bien, donc je rends la caution. Et puis le locataire suivant emménage et il m'appelle 2 heures plus tard en me disant que le lit avait cassé. En fait, qu'est-ce qui s'était passé? Il s'était assis sur le lit. Et les locataires d'avant, ils avaient bousillé le pied du lit, je sais pas comment ils avaient fait, ils l'avaient scié ou je sais pas ce qu'ils avaient foutu. Et donc du coup, le locataire suivant, il s'était écroulé. Et les gens, qu'est-ce qu'ils avaient fait? Ils avaient repositionné le pied sous le lit. Et moi, j'aurais pu tester tout ce que je veux dans ma location, faire 10 fois le tour, regarder avec une loupe tous les détails. Jamais j'aurais pu avoir l'idée de tester le lit pour voir si le pied il était pété ou pas. Donc du coup, vous voyez.
Le fait de raconter des histoires à travers des détails, ça permet de bien comprendre le message qu'on veut faire passer. Et c'est ça que je veux que vous arriviez à faire dans votre annonce et dans votre page à propos de nous pour vraiment impliquer les lecteurs et les faire se souvenir de vous, les faire s'intéresser à vous. Parce que les objectifs, c'est les inspirer, donc leur dire bah, ma location, elle est au-dessus du lot, elle va vous donner des choses supplémentaires par rapport aux autres. Inspirer de la confiance aussi, parce que le fait de citer des détails, de citer une histoire, ça montre bien que vous êtes quelqu'un de réel. Et n'oubliez pas qu'en fait, le principal frein que les gens ont entre passer par Airbnb ou Booking ou passer en direct avec un propriétaire, c'est la sécurité et la confiance. Les gens se disent, si je passe par Airbnb, bah du coup, j'ai confiance en Airbnb. S'il y a un problème, ils vont me dépanner. Si je passe par propriétaire en direct, ça peut être une arnaque. Les médias sociaux, la télé, les reportages relayent ça, alors que bon, c'est quand même complètement faux, hein. Pour ceux d'entre vous qui sont confrontés avec un problème avec Airbnb, vous vous rendez compte qu'on est vite lâché en pleine nature. Mais bah voilà, il faut instaurer de la confiance. Ensuite, bah, ces histoires, ça permet, ce storytelling, ça permet de créer une communauté autour de vous et de créer une attention autour de vous, et donc au final de faire passer vos valeurs. Et tout ça, ça vous rappelle peut-être quelque chose. Je vous ai mis des petits émoticônes à côté, voilà, vous avez sûrement deviné, mais en fait, ça s'appelle de l'engagement. Et si vous suivez les réseaux sociaux, si vous publiez des choses sur les réseaux sociaux, bah en fait, c'est exactement ce qu'on cherche à faire. On cherche à attirer l'attention. Généralement, on attire l'attention avec une histoire, avec un fait divers assez précis, assez soit inspirant, rigolo, etc., qui permet de créer de l'engagement. L'engagement, c'est quoi? C'est un retweet, un like, un commentaire, etc., etc. Et bah vous, avec votre location saisonnière, votre annonce, vous voulez arriver à faire la même chose. Alors, comment est-ce qu'on fait concrètement? Quelles sont les astuces pour y parvenir? Alors, première astuce, j'en ai mis quatre assez inspirantes. D'abord, parler d'un moment précis. Vous pouvez commencer votre descriptif en disant bah, j'ai commencé la location saisonnière parce que j'étais un grand voyageur. Et puis, en 1998, juste après la Coupe du Monde, je me suis installé et j'ai décidé de passer de l'autre côté de la barrière. Le fait de citer ce repère que tout le monde connaît, Coupe du Monde de foot, où on a gagné, bah, du coup, ça imprime auprès de tout le monde et boum, ça y est, votre histoire, elle est imprimée. Donc un moment précis, un moment de l'année, l'automne, l'hiver, le printemps, une date, la mort de Lady Di, etc. C'est des moments importants et vous devez passer par là pour pouvoir imprimer. Ensuite, je reviens sur les détails précis. Essayez de trouver 3-4 détails précis qui vous permettent de mettre ces faits en avant ou des situations particulières. Ensuite, partagez une émotion. Pour partager une émotion, il faut connaître votre audience. Et c'est comme ça que la plupart des grosses conciergeries se sont montées, grosses conciergeries thématiques. Donc, par exemple, on a dans la communauté une conciergerie qui est spécialisée dans les maisons sécurisées pour les familles et pour les enfants. Pourquoi? Parce que la dame qui a créé ça, elle-même, en moment d'un voyage dans le sud de la France, elle a son enfant de 2 ans qui est tombé dans une piscine qui n'était pas sécurisée. Alors, je vous rassure, il s'en est sorti avec plus de peur que de mal, mais vraiment traumatisé, et la famille traumatisée. Et donc, du coup, ils ont décidé de créer une agence de conciergerie avec des maisons qui garantissaient une sécurité pour les familles et pour les enfants. Vous voyez, ça partage vraiment une émotion. Quand on a des enfants, bah, on s'identifie à cette situation, bah, parce que voilà, la piscine, c'est quelque chose qui fait vraiment peur, et on se dit que pendant les vacances, des choses terribles peuvent arriver. Et donc, cette émotion, elle passe. Et tout de suite, l'histoire passe beaucoup mieux et on a envie de réserver dans cette conciergerie parce que, tout simplement, on veut être en sécurité. Pareil, même encore plus facile avec les animaux, si vous vous adressez à un public de voyageurs qui a des animaux, ce que je vous conseille fortement parce que c'est quand même une niche qui est très intéressante, vous partagez des histoires sur vos animaux, disant, voilà, j'ai l'habitude de voyager, à chaque fois, il n'y a pas de gamelle pour mon chien, il n'y a pas de tapis spécial, donc du coup, je suis obligé de passer 3 fois l'aspirateur pour enlever tous les poils, etc., etc. Racontez une histoire autour de votre animal pour susciter une émotion chez celui qui vous lit, chez le voyageur qui vous lit, pour qu'il s'identifie et qu'il se projette. Du coup, ça va tout changer de A à Z. Quatrième conseil, c'est être evergreen. Qu'est-ce que ça veut dire être evergreen? C'est-à-dire qu'il ne faut pas que votre histoire, elle se périme dans le temps. Donc, donnez pas une date en disant
le mois prochain, je vais acquérir ce nouveau coussin destiné spécialement pour les chats. Ou dans 6 mois, la saison prochaine, je vais investir dans un arbre à chat. Parce que ça va se périmer. Donc il faut que vous pensiez, Evergreen, que votre histoire, elle soit valable tout le temps, toujours, et que si quelqu'un la lit dans 5 ans, dans 10 ans, parce qu'il ne faut pas arriver, vous n'allez pas toujours mettre votre annonce à jour, même si je vous conseille de le mettre à jour tous les 6 mois, on sait très bien que bah, on a tous d'autres choses à faire et que des fois ça passe un peu à la trappe. Donc il faut que ça soit pérenne dans le temps et que vous n'ayez pas à le changer toujours. Pensez aux GAFA, aux grandes sociétés, elles ont toutes une histoire commune. Donc par exemple, Amazon, l'histoire de Jeff Bezos, c'est qu'il a commencé, il a débuté dans son garage, il a commencé à créer Amazon dans son garage, il a eu l'idée et il a développé comme ça. Bon, c'est pas tout à fait exact, hein, puisque on sait qu'il a eu un prêt de ses parents de plus de 300 000 dollars, ce qui a permis de se lancer et qu'il n'a pas vécu très longtemps dans son garage, mais la photo du garage a fait le tour du monde et c'est comme ça qu'on s'identifie. Facebook, bah c'est pareil, il y a une histoire qui est derrière. L'histoire, c'est bah, le gamin qui plaisait pas aux filles, qui cherchait à trouver un moyen de rentrer en contact avec elle, et donc il a créé Facebook pour créer une espèce de site de rencontre, puis ça a eu une explosion énorme. Pareil pour des choses beaucoup plus simples, hein, mais si vous avez une passion pour le golf, par exemple, hein, en France, on a beaucoup de parcours de golf, donc c'est quand même intéressant de cibler ce type de personnes si vous habitez à côté. Les golfeurs, eh ben, vous pouvez faire des petites touches de rappel sur le golf, citer quelques termes spécifiques, quelques termes techniques à propos du golf pour susciter une identification. Donc, comment est-ce qu'on fait après si vous êtes à court d'idées? Ben, premièrement, posez-vous la question de l'histoire de votre location saisonnière. Moi, par exemple, j'ai deux appartements, ben, c'est comme ça, c'est le hasard, mais les deux viennent d'anciens hôtels. Donc le premier, c'est un ancien hôtel de luxe des années 60, qui était en plein cœur de ville, et qui a été, au fil du temps, désaffecté et transformé en appartement. Et donc du coup, je peux très bien raconter cette histoire-là et dire que voilà, vous êtes dans une partie de la suite présidentielle de l'époque. À l'époque, il y avait des lustres, etc. Et dans mon appartement, j'ai mis des photos de l'ancien hôtel de luxe pour que les gens puissent se rappeler ce moment-là. Donc c'est quand même une jolie histoire et les gens peuvent réserver mon appartement justement pour pouvoir reconnaître ce passé et puis ils vont en parler autour d'eux pour les futurs locataires. L'autre appartement, c'est une situation différente. C'est dans un ancien hôtel qui a complètement brûlé et qui a été là aussi ensuite réhabilité. Et mon appartement se situe dans l'ancienne boîte de nuit. Et donc du coup, c'est pareil, j'ai créé un univers autour de ça. Si vous n'avez pas des histoires aussi intéressantes sur votre bien, il y a des histoires forcément autour de vous, dans les environs. Il y a forcément quelque chose d'intéressant dans les environs. Si vous ne trouvez pas, ben regardez dans les histoires des clients. Peut-être qu'il y a des choses vraiment sympathiques. En Afrique du Sud, j'avais loué une location saisonnière. Bon, à l'époque, c'était des auberges de jeunesse, ça n'existait pas trop les Airbnb, mais quand on avait loué ça, ça s'appelait l'auberge du mariage, ou l'auberge du nouveau-né, enfin quelque chose de similaire. Et en fait, l'histoire était très très sympathique en disant que c'était un couple, ça faisait 3 ans qu'ils cherchaient à avoir un enfant et ils n'y arrivaient pas. Et en fait, ils ont passé 2 semaines dans cette location saisonnière et la vie était tellement agréable au bord de la mer qu'ils étaient détendus et qu'ils ont réussi à concevoir un enfant pendant leur séjour. Donc après, chacun raconte le thème qui lui plaît, qui va parler au locataire qui cible. Mais si vous ciblez les couples, ça peut être intéressant. Ce qui peut être aussi bien, c'est de faire venir un influenceur chez vous pour qu'il vous fasse des photos et que ça mette à jour votre annonce de manière très originale. Et cet influenceur, vous inquiétez pas, ils ont l'habitude, ils vous trouveront une histoire à raconter aussi. Donc voilà toutes les idées que je peux vous partager. Ensuite, si vous n'y arrivez pas, alors on va passer à la suite, hein, bien sûr, à la page à propos de nous et les autres astuces. Si vous pensez que vous êtes limité, sachez qu'il y a un programme que je mets à votre disposition qui s'appelle le programme Mon annonce en or, où on fait coaching à distance sur votre annonce. Je suis capable de retoucher vos photos, parce que j'ai une formation sur Photoshop et je l'ai fait des milliers de fois. Je vous donne un cours complet pour améliorer votre annonce. Et puis, on peut reprendre le texte de votre annonce pour faire un meilleur storytelling. Donc, c'est eldoradoimmobilier.com/formation mon annonce en or. Comment est-ce qu'on fait pour aller au niveau supérieur ensuite? Une fois que vous avez cette histoire,
vous êtes capable de la décliner sur plein d'autres niveaux. Donc imaginons que vous ciblez un public, une partie de votre public, c'est des gens qui aiment la pêche ou des gens qui aiment les animaux. Du coup, vous pouvez sur votre site internet, pour pouvoir développer votre location en direct, faire un article intéressant sur les 15 meilleurs sites de spots de pêche de l'environ, ou les 10 meilleures locations saisonnières des environs pour louer, évidemment, il y a la vôtre qui apparaît en premier. Et là, il y a une pop-up qui s'affiche en disant, je vous donne en échange de votre email un cadeau bonus qu'on appelle un lead magnet. Donc, par exemple, pour la pêche, ça peut être une carte des meilleurs camps de pêche. Pour les animaux, ça peut être une checklist de ce qu'il faut emporter en vacances pour son animal de compagnie préféré. Pour des voyageurs classiques, donc c'est ce qu'on fait sur le site mutualisé souvenirs de vacances qui vous permet de donner de la visibilité à votre annonce. On met comme lead magnet une liste de tout ce qu'il y a emporté avant de partir en voyage. Donc ça marche quand même très très bien. Et tout ça vous permet petit à petit d'avoir de plus en plus d'emails de personnes intéressées par votre type de location saisonnière et de développer votre location en direct. Une fois qu'on a vu ça, je vais, comme promis, partir sur la page à propos. Donc, comment est-ce que vous faites pour créer cette page à propos et à quoi elle sert? En fait, c'est la page la plus importante de votre site et la partie la plus importante de votre annonce si vous êtes uniquement sur Airbnb. C'est qu'il y a énormément de gens qui recherchent cette connexion personnelle. Airbnb, c'est vendu comme ça, hein, c'est créer du lien avec les propriétaires, donc c'est tout à fait logique. Et puis louer en direct, c'est encore pire, hein, parce que c'est vraiment une relation propriétaire-locataire. Donc cette connexion en direct, elle est fondamentale. Donc il faut vraiment expliquer pourquoi vous êtes là, pourquoi est-ce qu'on peut vous faire confiance, mettez une photo de vous, et comment est-ce que vous faites ressentir aux gens qui sont dans le vrai et que vous ne vous racontez pas des conneries, que vous êtes une vraie annonce et que vous êtes complètement transparent. Et ça passe par une astuce. Alors, je vais vous détailler dans la diapo suivante, l'avant-dernière diapo, les 5 étapes pas à pas. Mais il y a une astuce que je vous donne de suite qu'il faut vraiment que vous ayez en tête, c'est que c'est super intéressant de parler d'un obstacle que vous avez surmonté et qui vous a rendu plus fort. Et c'est pour ça que vous êtes là. Donc, quand je vous racontais mon histoire tout à l'heure qui m'a amené à l'immobilier, mon obstacle, c'était que les impôts siphonnaient, étaient le premier poste de dépense de mon couple, et donc du coup, je me suis mis à l'immobilier. Ça peut être aussi la première fois que j'ai loué une location saisonnière, je m'y suis senti bien au bout de 3 jours parce qu'elle était tellement dégueulasse que j'ai mis 3 jours à la nettoyer. Donc du coup, moi je fais une offre propreté renforcée, etc., etc. La partie, moi mon enfant il a eu un souci dans une piscine quand j'ai loué une villa de luxe, et donc du coup toutes les villas que je propose dans ma conciergerie, elles sont toutes entièrement sécurisées, c'est garanti de A à Z, il y a un inspecteur qui passe et qui donne un certificat de garantie de sécurité. Donc tout ça, c'est un obstacle que vous avez eu, vous avez surmonté l'obstacle, et les gens ça vous permet de comprendre pourquoi vous êtes si fort. Pourquoi il faut vous faire confiance, et les gens, ça va leur permettre de s'identifier aussi à votre situation et de montrer que vous êtes capable de résoudre leurs problèmes. Donc les 5 étapes pour rédiger votre page à propos, c'est connaître votre audience. Donc sachez à qui vous louez. Est-ce que vous voulez louer à des familles, à des couples, à des gens qui aiment les animaux? Vous n'êtes pas obligé de cibler une audience en tant que telle, mais pour chaque audience, essayez de créer ce qu'on appelle un persona, c'est-à-dire créer une personne. Si vous ciblez les propriétaires, les personnes âgées qui voyagent avec leur animal, créer le profil de Micheline qui voyage avec son petit chihuahua et qui a un pouvoir d'achat et une retraite autour de 1 200 € par mois. Et donc, du coup, une fois que vous avez créé ça, vous mettez à la place de Micheline, qu'est-ce qu'elle veut Micheline, etc. Et donc, vous serez capable de connaître votre audience et donc de lui parler le plus précisément possible. Si vous n'y arrivez pas complètement, restez sur la diapo suivante, je vais vous expliquer comment je peux vous accompagner aussi là-dessus. Ensuite, deuxième étape, commencez par la fin. C'est souvent l'histoire, on aime bien avoir du suspense, mais vous, en tant que rédacteur de l'histoire, vous devez connaître la fin. Et donc, si vous ne savez pas comment guider votre descriptif, je vous conseille de prendre le meilleur commentaire que vous avez reçu, ou alors de rédiger vous-même un commentaire sur vous le plus long possible, le plus détaillé possible, et de voir qu'est-ce qui va le plus
plaire aux gens et qu'est-ce qui déclenche leur réservation? Est-ce que c'est la maison sécurisée? Est-ce que c'est le fait qu'il y ait tous les équipements pour les animaux, etc. Et donc, vous savez où vous allez quand vous écrivez votre histoire et vous connaissez déjà la conclusion et ça vous permet d'avoir un déroulé logique. Ensuite, ayez une histoire signature. Donc, c'est quoi une histoire signature? C'est l'histoire dont on se souvient, ces histoires de détails, de dates, de faire passer des émotions que je vous expliquais tout au long de la vidéo. Élaborez cette histoire-là, passez-y du temps. Il faut que ce soit votre histoire signature, que vous la répétiez encore et encore, quel que soit le support où vous êtes, sur Booking, sur Airbnb, si vous êtes invité dans un podcast, dans une émission de télé, etc. Il faut toujours dire la même histoire pour que les gens s'identifient et que ça leur parle. Et l'idéal, c'est qu'il faut que cette histoire parle au type d'audience que vous recherchez. D'où l'étape numéro 1. La quatrième étape, il faut rester logique et chronologique, il ne faut pas perdre les gens. Donc fonctionner par étapes. Première étape, j'étais un grand voyageur, donc c'est vrai que je connais beaucoup le monde de la location saisonnière. Deuxième étape, j'étais écrasé par les impôts. Troisième étape, j'ai cherché à investir dans l'immobilier, mais l'investissement défiscalisation, c'est pas terrible. Étape suivante, du coup, j'ai investi dans des appartements meublés. Étape suivante, du coup, vu que j'adore voyager, j'ai développé de la location saisonnière. Vous voyez, c'est chronologique, c'est logique, les gens vont pouvoir s'identifier. Et puis cinquièmement, peut-être la cerise sur le gâteau, mais qui est essentielle aussi, c'est ce que j'appelle la synthèse MSP, mémorable. Il faut que les gens puissent se souvenir de votre histoire. Il faut que votre histoire soit sexy, c'est-à-dire dans le sens où vous fassiez parler les émotions, les chiffres, pour que les gens s'y intéressent. Il faut que ça soit personnel, il faut créer un lien personnel, d'où l'astuce de l'obstacle. Les gens vont rencontrer le même obstacle que vous, vous, vous l'avez surmonté, et donc du coup, ils peuvent vous faire confiance. Petite astuce supplémentaire peut-être, pourquoi est-ce que vous ne mettriez pas des photos de mise en situation de votre famille ou de vous-même dans la propriété? Donc si vous voulez louer à des familles, pourquoi est-ce que vous ne prenez pas en photo votre famille en train de sauter et de jouer à cœur joie dans la piscine? Pourquoi est-ce que vous ne prenez pas en photo votre famille en train de prendre le petit déjeuner devant le lever de soleil, etc., etc. Et ça va mettre vos photos en situation, ça va permettre aux gens de s'identifier et d'aller beaucoup plus loin. Pour justement aller plus loin, gagner du temps et être plus efficace, donc je vous rappelle qu'il y a le programme Mon annonce en or. Je peux vous accompagner pour aller beaucoup plus loin et faire les choses à votre place. Donc avec les coachings à distance, retoucher vos photos, reprendre le texte de vos annonces. Donc eldoradoimmobilier.com, mon annonce en or, la formation. Je vous dis à très très vite, je suis à votre disposition pour les questions dans les commentaires. Ciao ciao!